Bon, les amis, on est parti sur Balatro. Le jeu est enfin sorti, comme vous avez peut-être vu. J'avais pas mal joué à la démo. J'avais bien aimé le concept du jeu. Et du coup, le jeu est sorti. Il a pour l'instant que des retours assez incroyables, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on peut mettre en français. Je crois qu'il y a les différents... Il n'y a pas une possibilité de... Ah là, pardon. Je crois, je sais pas à quel point ils ont tout bien traduit. Middle droite, la cam. Ah, c'est parce que... Ah, c'est en bêta, le... Ça. On va se mettre comme ça. Alors, concrètement, comment vous définir Balatro? C'est un peu difficile. On est sur un jeu de cartes, donc il peut s'apparenter... à du poker. En fait, c'est donc un roguelite qui va te permettre au fur et à mesure des runs que tu fais, d'avoir différents decks, de un peu mieux comprendre. Le but va être de faire des combinaisons j'ai toujours du mal à expliquer ça parce que c'est un peu technique, mais c'est des combinaisons de cartes qui vont valoir plus ou moins de points. Tu as des modificateurs qui te permettent en fait d'aller choper des multiplicateurs quoi, en fait. Et au fur et à mesure, en fonction de ce que tu choisis, tu vas pouvoir par exemple te dire que si jamais tu as une couleur, ta couleur, en fait, elle va rapporter énormément de points, et ainsi de suite, donc tout dépend, quoi. Alors ça, c'est les sets de base, donc... Ah oui, non, d'accord, j'ai pas tout encore développé. Donc, en fait, tu commences avec un jeu de cartes un peu différent. Donc, par exemple, jeu rouge, je commence avec plus 1 de défausse à chaque manche. Ça veut dire, défausse, c'est... Vous allez voir, en fait, on peut un peu, sans que ça soit trié, les cartes, mais c'est un truc un peu similaire. Plus une main à chaque manche, parce qu'en fait, on a un nombre de mains autorisées pour remplir un contrat... En gros, et commencer avec 10 balles supplémentaires. Plus une main à chaque manche, ça a l'air fort. Hein. Mais en même temps, tout dépend de combien t'as et tout. Je vais me démarrer au jeu bleu, tiens. Je vais me démarrer au jeu bleu. On va faire ça. Alors, donc là, vous le voyez. Donc, choisissez votre prochain blinde. Donc, sélectionnez. Donc là, c'est la petite blinde. Donc, il faut faire en gros au moins 300 de score. Tu peux aussi la passer, mais c'est un peu compliqué. On a donc, nous, pour l'instant, donc 5 mains pour réussir à faire ce score de 300. Et il y a 3 défausses, donc 3 fois où on change les cartes. Enfin, on vire des cartes. On a 4$ au début. Ça, c'est les différentes infos que vous pouvez avoir besoin. C'est que si jamais, par exemple, je fais une couleur, ça me donne donc la valeur des cartes. Une tête étant 10 points, un 10 étant 10 points, un 5 étant 5 points, plus, une fois que tu as additionné, donc là par exemple ça ferait As, donc 10, plus 3, 10, plus 10, donc 30, 39 quoi au total, le tout fois 4, fois les multipliers, etc. Il y a plein de manières, vous allez voir, en vrai c'est assez simple, c'est assez chiant à expliquer, on dirait que c'est compliqué, mais en fait c'est assez simple. Attendez, faut que je me mette là, je pense. Là ça doit être pas mal. Du coup, on est... donc, trier la main, soit valeur, soit couleur. Ok, moi, valeur, ça me va très bien. Donc là, par exemple, il faut qu'on fasse 300 de score. Et comme je vous disais, on a plusieurs choix. Donc, en fait, on va pouvoir défausser des cartes. C'est-à-dire se dire que, genre... là, par exemple, on a genre les 8, les 6 et les 4. D'accord? Et dans les 8, les 6 et les 4, on pourrait se dire, ok, j'aimerais bien me faire peut-être... en vrai, là, un full, ça peut être intéressant. Mais je peux peut-être aller chercher, par exemple, 9, 8, 7, 6, 5. C'est chiant d'aller chercher une suite, tu vois. En vrai, je vais garder que les... Je vais garder les 8 et les 6 pour aller chercher un full. Voilà. J'ai eu un As, un Roi, un 7 et un 3. Donc là, par exemple, c'est de la merde. Je pourrais, par exemple, donner ça et me faire une double paire. Donc faire 20 x 2 plus les scores, justement. Donc 8 jetons, 8 jetons, 6 jetons et tout. Et donc, du coup, il faut aller trouver un peu des cartes à droite, à gauche, en fonction. Je vais tèche le 7 et le 3. Sait-on jamais. Je retrouve un 4 et un 3. Bien de la merde. On doit faire 300. En même temps, 300, c'est pas beaucoup. J'ai plus beaucoup de défausses. On va donner ça. Je vais tèche mon 3 avec. Comme ça, ça va me donner des nouvelles cartes. Donc là, voilà. On a le calcul... Le calcul qui se fait, et oui, ça se fait, pardon, dans le calcul bleu, donc ce qui fait que le multiplayer, il est intéressant par la suite. As, Roi, Valet, j'ai 9, 7, 5, 4, 2. C'est quoi? Il me reste qu'une défausse, en fait. J'ai fait de la merde dès le début, là. Putain, faut que je m'en mette dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a les... Là, par exemple, c'est full merde, ce que j'ai. Je pourrais jouer une couleur. Je vais jouer une couleur. En fait, je vais donner ça. C'est juste la carte haute. Mais il n'y a que la carte haute qui va compter des points, du coup. Mais c'est pas grave, j'ai chopé un carreau. J'ai chopé un carreau, voilà, je chope que 16 points. Et j'ai un carreau. Et du coup, là, on va pouvoir donner une couleur. Et ça va passer.
border quand même, hein, ce que j'ai fait. Ok, on remplit le contrat. Vous avez compris à peu près l'idée, on n'a pas fait forcément les bons choix. Gilano, merci pour les 40 mois. Merci Steph pour les 2 mois. Donc là, par exemple, on a fait 388, il fallait faire 300. C'est bon, le contrat est rempli. On chope donc du coup 3 goals pour le contrat. Il nous restait 2 mains, donc 2 mains à proposer justement pour pouvoir rentrer des points. Et du coup, tu prends 1 gold en plus par main. Donc on chope 5 balles. On a 9 au total et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tu peux acheter des jokers, tu peux acheter donc du coup des vouchers donc non découverts, moins 1 à la mise initiale, moins 1 par manche. Donc au bout d'un moment, moi j'ai juste, honnêtement, j'ai joué 2 heures, donc j'ai dû faire 4 games, tu vois, je pense que j'avais mis les rediffs la dernière fois. Et du coup, je connais pas encore tout, loin de là. Alors, permet de créer des quintes avec des écarts de valeur de 1. 2, 3, 5, 7, 8. Ça, c'est hyper fort, ça. Et le joker, gagner 5$ si 3 cartes figures ou plus sont défaussées en même temps. Ça, c'est pas mal, mais ça va être plus quand tu connais. Ça, c'est pour avoir des améliorations. Choisissez de 1 à 3 cartes tarot à utiliser immédiatement. Ça, c'est des trucs qui te changent tes cartes, en fait. Potentiellement, tu pourrais dire que ton roi de carreau, il devient roi de pique. Ce qui fait que t'as 2 rois de pique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de jouer les couleurs à pique, tu vois. Ce genre de truc. La quinte, elle m'a l'air folle, celle-là, là. L'autre a l'air bien aussi, mais c'est plus un truc, moi, pour l'instant, je redécouvre. Donc, on va se la jouer assez basique, quoi. On va se la jouer assez basique. J'ai 2 balles, j'ai rien à acheter. Manche suivante. 450, il nous faut. Pour la grosse blinde, on est parti. Écoutez les gars, quand ça commence comme ça, avec une petite couleur d'entrée de jeu, c'est une quinte flush même. C'est une quinte flush parce que ça compte la quinte là-dedans. Parce que du coup, ça compte aussi pour la quinte flush, parce que là, j'ai As, 2, 3. Techniquement, il faut 4, 5. Sauf que comme j'ai cette valeur-là, je peux le faire avec 5, 6. Mais c'est trop fort ça, il faut que je booste la quinte à mort avec ça. Bon bah là du coup on a rempli dès la première main. Dès la première main on remplit 127 x 8, ça donne 1000. Et du coup le contrat est rempli dès le début, ce qui fait qu'on a 4 mains. Donc on chope 4 gold, donc full thune. La folie. Thibaut, merci pour les 17 mois. Figou, 37 mois, 8 mois pour Okage. Merci beaucoup. On a déjà passé la session FM, ouais Steph, on a fait 4 heures de FM là juste avant. Il manque pas le 4. Si, mais du coup en fait c'est notre joker qui nous permet de le compenser. Alors niveau supérieur, carré. Donc ça c'est une carte planète. C'est intéressant, mais le carré, c'est difficile. La première carte figure octroie 3x2 au multiplier en marquant des points. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais me prendre beaucoup de jokers. Et en fait, je vais me prendre les cartes... Arcana, c'est les planètes ou... C'est lesquelles les planètes entre les deux, là? Merde. Où est le... Je vais mettre ça là, parce que... aucune des deux, c'est des cartes planètes. Par contre, il faut que je les prenne une carte tarot. Une à 5 cartes à ajouter à votre jeu. Vous savez quoi? Je vais me prendre le truc, là. Et en plus, je vais me prendre un... Je vais m'ouvrir un pack, parce que je sais plus bien ce que c'est. Comme ça, on va redécouvrir aussi. Alors, double l'argent. $20 au maximum. Ah, mais là, j'ai 1$, donc on s'en fout. Au 3, la valeur de vente totale de tous les jokers actuels. $50 au maximum. C'est actuellement 5. Crée jusqu'à 2 cartes de tarot aléatoires. Enfin, je vais me prendre ça, je pense. Hein. Ah, mais est-ce que tu peux le garder? Ou est-ce que c'est usage instantané? Question, pardon. Prends le premier, tu l'utilises après. Ah, t'es pas obligé de le claquer. Ah, parce que j'avoue que le double l'argent, si jamais là on se dit qu'on part en écho, instant. Ah non, t'es obligé de le... Tu peux keep, ça se garde. Ah, dites-moi que si vous savez les frères, parce que sinon, comme le jeu, enfin même s'il y avait le... Si c'est instant, appuie dessus, il y a noté. Utiliser. Ah oui, non, t'es obligé d'utiliser tout de suite. Ok. T'as que 2 slots dispo, ou 3 la valeur de la vente totale. Là, ça me fait 5 gold. Bon, j'ai payé 4, ça me fait 1 gold de bénéf. Honnêtement, je vais utiliser ça. Ça va me créer 2 cartes tarot au pif. Quoi qu'il arrive. Et c'est quoi du coup? Créer jusqu'à 2 planètes aléatoires. La folie? Créer une carte joker aléatoire. Attends, mais c'est incroyable. Et du coup, ça m'a fait quoi? Toutes les cartes sont considérées comme des cartes figures. Donc ça veut dire que tout vaut 10 gold. Oh, si j'ai... Oh, la première carte figure octroie 3x2. Bon, ça me valide ça, mais c'est bien. Et là, du coup, utiliser. J'ai 2 cartes planètes, niveau supérieur. Donc le full house est boosté et la couleur est boostée. Mais attendez, mais c'est incroyable. Donc du coup, là, ma couleur, par exemple,
pour juste vous la faire si vous connaissez pas, elle est passée de niveau 1 à niveau 2. Donc avant, c'était peut-être 35 x 4. Et là, c'est passé à 50 x 6. Et là, par exemple, le full house, il est à combien? Le full, il est à 40 x 4. Et là, on va voir. Voilà, 40 x 4 et on passe à 65 x 6. Incroyable! Putain, le début est zinzin, là. Ok, très bien. On n'a pas de thunes, mais on n'en a pas besoin. Donc là, là, c'est le boss que tu vas affronter. Toutes les cartes piques voient leur bonus disparaître. Donc parfois, si par exemple, on avait un build que pique et tout, ça peut être la merde. Ça, ça pouvait être compliqué. Les planètes, c'est vraiment bien. Les planètes, ça, c'est nécessaire. Faire un score d'au moins 600. Alors du coup on n'a pas de pic, tu vois. Donc, enfin, elles ont pas de bonus les pics. Après je peux quand même faire 3, 4, 5, 6, 7 et avoir une suite. En l'occurrence, juste faire ça comme ça. Juste, ça va pas apporter de... je mets la 8 aussi comme ça, étais-je. Ça va juste pas apporter de bonus en plus. Donc ça va pas compter en tant que tel. Là elle m'apporte pas 8 points et ça, ça m'apporte pas 4 points. Mais bon, je prends déjà 384, on a besoin de faire que 600. Il n'y avait pas besoin de beaucoup plus. Là, on a les 10, 3, 4, 5, 6. Ça peut être intéressant de refaire une suite en vrai. Sachant que j'ai du pic. Sachant que j'ai mon truc avec les suites. Donc en vrai, il me faudrait un... Ah mais non, mais j'ai l'as. En fait, j'ai l'as, je peux déjà faire une suite parce que j'ai le bonus déjà. As 2, mais qui du coup est sauté. 3, 4, 5, 6. Et j'ai une suite aussi. C'est incroyable celui-là. Bon, par contre, on se rapporte pas beaucoup de points, mais... On se fait 600 très rapidement, ce qui fait qu'il nous reste 3 mains, donc on va avoir 3 gold. Ça me va. Tatan, merci pour les subs. En fait, c'est vraiment un jeu où juste tu dois bien toujours avoir en tête c'est quoi tes bonus pour bien comprendre. 2 cartes tarot, crée une carte planète si la main jouée contient 2, 8 ou plus. Waouh, c'est fort ça. Gagner de manière permanente, plus 1 par main. Ah, mais le problème, c'est que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux jouer? Viens, mon amour. Je vais essayer de 1 à 5 cartes à ajouter à votre jeu. 1 à 3 cartes à ajouter à votre jeu. Pour l'instant, j'ai pas non plus des trucs genre en mode des trucs de couleur ou autre, donc je vais peut-être pas prendre. Ouais, le voucher est bien, mais j'ai pas l'argent. Est-ce que la carte Joker pour l'instant crée une planète si la main contient 2, 8 ou plus? Après 2, 8, il faut aller claquer un full, quoi. Mais de temps en temps, ça peut peut-être valoir le coup de, comme j'ai beaucoup de mains avec mon starter de base, de... Tu vois, genre de me dire... En fait, je crame une main juste pour une paire de 8 pour avoir une planète qui coûte techniquement 4 balles. La traduction des boosters est claquée. C'est pas X à Y carte, c'est X parmi Y. Ah, donc c'est choisissez une carte parmi 3. Et là, c'est choisissez une carte parmi 5. Ok. Bah écoutez, je vais prendre celui-là. Mais mon bébé, mais c'est pas possible. Mais je t'ai dit que je t'aimais, mais que toi, tu m'aimes à ce point. Mais alors, ça c'est fou. Je vais parler aux gens. Miaou. 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 Alors, pousse-toi là. On peut se poser en détente. C'est pas un skill qu'on a encore trop développé, mais ça serait bien. Je comprends strictement rien au jeu. Ouah, en fait, faut comprendre la mécanique et ensuite, une fois que t'as compris, c'est pas très difficile. Oui, c'est un seul écart, on est d'accord. Hein? Non mais attends, pardon, je comprends pas. Je peux avoir une suite. Là, il y a un trou à 5 et il y a un trou à 8. Mais je peux avoir des suites tout le temps, en fait. C'est n'importe quoi. Je pensais que c'était un seul trou. Genre en mode 2, 3, 4, 5, il manque le 6 et t'as 7 et 8. C'est n'importe. C'est un par trou. C'est ouf. C'est ouf, putain. Attends, toutes les cartes sont désormais considérées comme des cartes figure. Ah ouais, ça c'est pour ça, ok. Là, j'ai un brelan. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de tout défausser pour avoir des 8? En vrai. Parce que Brelan, c'est combien?
x3. Enfin, je vais vite faire beaucoup de points quand même. J'ai envie de tout défausser. Tu vois, je peux déjà faire une suite, quoi. C'est nain, putain. Hop, je fais le full avec 2-8, ce qui va nous permettre d'avoir une carte planète en plus. Incroyable. Incroyable. Et du coup, boum, on chope carte haute. Niveau supérieur pour carte haute, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas le... ce que t'as envie de booster, je pense, c'est suite, c'est couleur. Couleur, ça a l'air... couleur c'était très fort sur le... t'es en fois... Ah non, parce que j'ai pas boosté, en fait. Je crois qu'ici, tu peux mettre vitesse du jeu. Je peux mettre x4 et du coup ça bat beaucoup plus vite. Voucher gagné de manière permanente plus 1 par manche. Bah ça je vais juste l'acheter en fait. Comment ça? Échanger. Ah oui voilà. Ah oui non échanger mais c'est pas, on n'a pas un truc en moins. Multi plus 1 par main jouée. Multi moins 1 par main défaussée. Ok donc ça c'est quand tu deviens plus chaud. Ça c'est les standard packs. Ça se vend pour quoi? Ça se vend pour 1. Je veux prendre carte haute même si c'est vraiment un peu de la merde. Bah écoutez... Salut Matt, on est parti. Hein. Mais c'est nous, c'est plaisir en fait. Nous, c'est suite à volonté quoi. Là, on aimerait bien avoir plus de 8 quoi. Là, j'ai juste à faire. En fait, l'avantage, c'est que ça me compte une figure. Donc là, j'ai déjà. Oh, oh les 2-8 qui vont nous permettre d'avoir une planète. Oh, je peux avoir une suite, mais j'ai la flemme d'avoir une suite. Une dame ou un 8, ça peut être gourmand. Oh, c'est full chat. Oh, j'ai... Oh, je vais essayer de rechoper un 8 après. Pour avoir une nouvelle planète. Non, mais non, on va dépasser déjà, je suis con. La double paire qui... Ah, oh, j'aurais pu faire double paire pour pas dépasser directement. Mais en vrai, c'est bien, ça nous fait gagner des sous. Uranus, attends, déjà, on va convertir. Si jamais j'ai un truc à 9 gold qui m'intéresse. Choisissez une carte planète. Ça, on va acheter. Hein. Multi x 4, toutes les 6 mains jouées. Converti jusqu'à 3 cartes. Je pense qu'on va se prendre la carte, le pack planète. On va devoir en choisir un. Le full house qui est amélioré, le carré ou la suite. Bah du coup, moi, je vais passer au niveau supérieur sur la suite, puisque la suite, je la fais trop facilement. Ça, comme ça, on est tranquille. Et est-ce que... Non, j'ai rien à vendre. Je pourrais vendre, tu vois, le truc de la double paire. x4, toutes les 6 mains jouées. Ça veut dire que j'ai forcément un x4 de multiplayer. Parce que c'est pas... C'est x2 quand même. C'est possible de mettre la caméra en bas à droite. Ouais, en fait, ah oui, c'est ça. Je dois la mettre juste au-dessus du 52 sur 52 pour voir les cartes que j'ai. Oh, je vais améliorer. Pour un gold, je vais améliorer. Je vais écho. Je pense que je vais écho. Je vais écho. C'est pas le truc qui me donne le plus envie. La première main est tirée face cachée. Ah, et ensuite, tu dois savoir... Ah oui, donc t'as ce truc-là. Ça, c'est la valeur. Et ça, c'est la couleur. Donc au début, tu... Ah, oh, mais en fait, faut avoir un reveal au début. En fait, avec un peu de chance, je peux peut-être faire une suite. Si je fais ça. Dommage, double paire. Pas si mal, je venais de l'améliorer. Maintenant, on commence à avoir les infos. Donc là, par exemple, valeur. Donc on sait que ça, c'est un roi ou un as. Ça, c'est un 10 ou un valet. Et là, on peut faire couleur. Donc là, ça, c'est un roi ou... Là, on a 4 carreaux. Là, on a 4 carreaux déjà. Donc je pourrais aller me chercher une petite tentative. Et j'ai un pic très faible, c'est ça? Ah non, j'ai un trèfle très fort, pardon. J'ai un trèfle très fort. Straight. Bah non, ça pourrait être une dame. Non ? Ah tiens, un monde où ça c'est une dame. Bon, quoi qu'il arrive, vaut mieux prendre la carte tout au bout, du coup. Ça peut être un 9, en fait. Ça peut être un 9 de fou. Si c'est un 9, je suis baisé.
On a de la chance, hein. Bon, ça, c'est une... En vrai, on a de la chance, hein. Là, c'était vraiment de la chatte, mais... Mais c'est vrai que tant qu'à faire, bon, quand on peut all-in la suite, vu notre build, il y a plus de proba que ça puisse rentrer. Niveau supérieur du full. Alors, c'est quoi, ça? Plus un emplacement de consommable. Ça doit servir par la suite, ça, quand même. Une carte tarot. Oh, moi, j'ai envie d'améliorer tous les... Le full, je l'ai niveau 3 maintenant. Tu vois, j'ai envie qu'en fait, on se sécu de... Mais je pense que c'est bien d'all-in un truc plutôt que se sécu 3-4 choses. Plus un emplacement de... Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Carte tarot. x4 toutes les 6 mains jouées. Je vais écho. Je pense qu'il sera toujours l'autre si jamais. Ok, alors... Et non. Qu'est-ce qu'on se fait? On peut se jouer une couleur là, non? Couleur, c'est niveau combien? Couleur, c'est. Ça fait chier de vendre ça quand même. Tu regardes jamais les tags. Comment ça? Oh là, je suis. Tu peux avoir des cartes améliorées, c'est pas si nul que ça en a l'air. Ah ouais? C'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais fait... Ah bah c'est bon là, pardon. Putain, c'est vrai que ça te fait bugger. Ouais, j'ai pas trop le choix, on va garder 3 trèfles, comme ça c'est bien. On va garder 3 trèfles. Bon, 1000, donc ça c'est déjà bon. Là, on a une couleur derrière qui s'enchaîne bien. On se prend pas trop la tête. Là, pour l'instant, c'est un peu tranquille. Et... J'aimerais bien avoir une carte planète. En même temps, avoir 2-8 là-dessus, c'est chaud. Attends, il me manque pas beaucoup, quand même. Oh, les 2-8. Oh, il chope un full, en plus. Oh, la chatte. Oh, la chatte est folle, hein. Ah ça, en début de game, doline un peu pour pouvoir chatter. Et on chope quoi? La quinte flush au niveau supérieur. Oh, c'est bien, mais bon, la quinte flush pour la rentrée, on en a déjà rentré une. Ah, tu chopes un intérêt tous les 5. Ah, donc c'est vrai que c'est comme TFT, j'avais oublié. Mon chat, mais t'as mangé, mon bébé. Eh ouais, maman, elle va bientôt rentrer. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça? C'est l'amour. C'est l'amour, mais de loin, quoi. C'est de l'amour juste pour me miauler dessus. Si tu joues que 4 cartes, tu peux en rajouter une pour te débarrasser et en repiocher une. Ouais, mais du coup, comme je joue des suites et tout, on n'a pas forcément normalement l'avantage de faire ça encore. Vous pouvez accumuler moins 20$ de dette. Ah, c'est parce qu'il est polychrome. Du coup, polychrome, c'est que c'est un buff, quoi. T'ajoutes 1,5. Niveau supérieur de du brelan. Si t'as choqué, si t'as choqué. Je vais essayer 1 à 2... 1 sur 2 cartes joker. Je pense que je vais me prendre ça pour tester. Les As joués octroient plus 20 jetons et plus 4 au multiple. C'est incroyable. Multiple x 3 si toutes les cartes en main sont de type pique ou trèfle. Ça c'est bien pour les couleurs spécifiques quoi. Mais ça le multiple, en fait le polychrome apporte x 1,5 plus x 4. Je pense qu'on va prendre ça. Hein. On va prendre ça. Juste, j'ai jamais compris pourquoi fallait mettre. Pourquoi parfois les gens me disent faut mettre à droite ou à gauche. Ça, j'ai jamais compris. Ça, j'ai pas envie puisqu'on va un peu écho. On va un peu écho. Bon, la canne flush, vas-y. Je me dis tant qu'à faire, quoi. À savoir, ça pourra nous sauver. Les multes de multes à droite pour qu'ils s'appliquent sur tous les multes flat. Tu mets des plus à la fin et des fois au début. Ah. Mais du coup, comme là j'ai un fois, autant que j'ai un plus avant. On est d'accord? Oui, c'est ça, faut juste. Bah non, le contraire. Bah non. Si je suis à 5 de multiplayer, là, je monte à 9. Et du coup, je fais 9 x 2, donc 18.
Sinon, je faisais 5 x 2, 12, plus 2, 12. Enfin, 5 x 2, 10, plus 2, 12. Ok. Bon, alors, est-ce que ça, je prends un emplacement de consommable? C'est pas pour nous, j'ai l'impression. Surtout qu'on va éco, nous. Hein. On va éco. Belle chose, hein. Il y a de belles choses, il y a de belles choses. Les As, ils font plaisir. Les As, ils font plaisir. Les As, ils font quand même très plaisir. Non, je peux pas, quand même, parce que j'étais en mode... Qu'est-ce que je tège, en fait? Ça qui est chiant. Je tège tout. En fait, si je tège pas tout, je tège... Vas-y, je tège tout ça. Oh, la chatte. Non, c'est beau, c'est beau. Juste, ça passera pas tout le temps, ça, quand même. C'est des choix un peu risqués, quand même. Mais le truc, c'est que le multiplayer, il s'envole tellement, 7200 en une main, quoi. C'est que le truc, c'est de faire x4. Et, à la... Et ça ajoute... Ouais, t'as le x1,5, il met bien, hein. Tente la quinte flush. Non, je pense que c'est des choix trop risqués. Vendez cette carte pour désactiver la boss blinde actuelle. Ouais. Améliore deux cartes bonus. Ça, c'est peut-être la moins... Toutes les cartes sont créées comme des cartes figures. C'est pas si fou, ça, non? J'ai du mal à comprendre le... 25 gold. Je vais essayer de 1 à 5 cartes à améliorer. Vas-y, on va ouvrir pour voir un peu, parce que j'ai pas encore ouvert ça. Alors. Donc, du coup. Paquet standard. Choisir 1. Reine de carreau, 10 jetons. 10 jetons, 10 jetons. Là, en fait, je me rajouterais 3 de trèfle. Une chance sur 5 d'obtenir plus 20 au multi. Une chance sur 15 de gagner 20$. Putain, 20% de chance de gagner 20, plus 20 de multi, c'est efficace. Hein. Créer une carte planète si cette carte est tenue en main à la fin de la manche. Oh, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Et du coup, ça va me faire une 53e carte, là, c'est ça? J'ai envie d'all-in les... Ouais, ça me fait une 53e carte, ok. Je pense que c'est pas mal. Une carte tarot à améliorer. Oh, je suis à 19. On va éco. Le 4 en mode destruction. Ah, là, je sais pas ce qu'elle a, mais elle veut détruire, là. Oh, j'avais un carré. Carré, qu'est-ce que ça fait? 60 x 7. Bon, autant faire un full, hein. Et c'est les cartes carreaux, du coup, qui ne comptent pas. Ok. Voilà, 3200, c'est dingue. Et derrière, on va proposer une petite suite, hein. Histoire de se mettre bien. Sans trop de soucis. Histoire de... On opti. On a pu même tèche le 5. Ok, 12 balles. Oh, 3, 4 jetons si la main jouée contient exactement 4 cartes. Oh, flemme ça. Hein. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multi. Holographique, ça va être... C'est hyper chiant, mon chat. Ouais, mais c'est chiant. Mais là, pourquoi tu détruis tout, là? Et oh, elle est folle ou quoi? Oh! Tu viens de manger, mon chat. Ça me tend. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de ça, là. Toutes les cartes sont considérées comme des cartes figures. J'ai envie de la vendre, ça. Ça, je vais m'ajouter ça, en fait. Parce que du coup, pour le late game, c'est incroyable. Oui, pas de place. Bon, tiens. Hop. Je vais ajouter ça. Mais attends, mais... Wow. C'est la vaga. Alors. Toutes les cartes et tous les paquets du magasin sont vendus avec un rabais de 25%. Ah, ça peut valoir le coup pour le late game, ça.
C'est con d'avoir acheté l'autre truc avant, du coup. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va en acheter encore d'autres. On va en acheter encore d'autres, donc c'est bien. Et je pense que je passe. Maintenant. Quinte. Les âges joués. Première carte figure. Ouais, ça, c'est bien, mais ça... Ça, on pourra améliorer, ça, je pense. Oh, mais là, nous, on a des jeux... on n'a pas beaucoup à se prendre la tête, quand même. Non, mais je vais te niquer, par contre. Elle est sur le tableau et elle me nique le tableau. La carte figure, une fois combattée avec d'autres, elle deviendra utile. Ouais, c'est ça, c'est en fonction de... C'est... En fait, juste que le photographe, par exemple, n'est pas si fou... Si jamais j'avais pas l'autre, quoi. Ça, c'est bien, mais ça, je vais la tèche aussi au bout d'un moment. C'est juste pour pouvoir farm, en fait. Et du coup, j'aurais plus intérêt à chercher des 8. Juste, bon, je veux bien jouer des 8 si j'ai déjà un peu de 8, quoi. Converti jusqu'à 3 cartes sectionnées pour les changer en cœur. Là, ça devient intéressant. Crée la carte de tarot ou planète utilisée en dernier pendant cette partie. Bah, je pense que je l'achète, mais je n'utilise pas tout de suite ça. Parce que ça va être intéressant pour booster les suites. Et du coup, je vais aller choisir une carte planète. De paire, paire, can flush. Oh, la flemme. La flemme. La flemme. On s'en fout, la can flush. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses difficultés, c'est parce que t'es dans une run. Oh, c'est au fur et à mesure. Après, la canne flush, on a ça qui nous permet de la booster, quoi. Et moi, est-ce que j'ai envie de faire plat du pied? J'ai envie de faire plat du pied de paire. Tu vois. En mode, on se fait quand même un hit assez sympa, ça nous permet de recycler le deck, ça nous fait quand même des points. Je pense que c'est plus smart. On va pas faire 9000 là-dessus. Loin quand même. Hein. Je veux une nouvelle carte planète, moi. Oh, j'ai un prolong de 8. J'ai un full même, parfait. Je peux jouer la main, je vais avoir une nouvelle carte planète. Et c'est la double paire à nouveau qui est améliorée. Oh putain, ils font chier. Chier. Utiliser. Bon, par contre, la double paire, elle commence à être intéressante à niveau 4, quoi. Je pourrais même l'up niveau 5, hein, mais... Mettre tes cartes figure à la fin pour le multi. Multi plus 20 si la main jouée contient un carré. Multi plus 3 pour chaque carte joker. Ouais, du coup, t'es à 15, quoi. T'es à 15 de multiplayer de base. Ça m'a l'air bien, mais pas fou en late, je pense. Hein. Je vais essayer de 1 à 2 cartes joker. J'ai 30 balles, je peux voir si ça vaut le coup d'avoir un truc un peu insane. Peut-être un holographique. 40 jetons pour chaque défausse restante. Multi plus 1. Non, ok. Pas grave, ça m'a coûté 3. Ça m'a coûté un peu de thunes, mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais pouvoir... Là, je farm bien à chaque fois. Alors, attendez. Taille de la main, moins 1. Faire un score d'au moins 12 000. Ok, bon, nous, de toute façon, il nous faut des suites. Hein. Voilà, on commence, on s'est pas trop pris la tête. Faudrait booster les suites, hein, vraiment. Faudrait vraiment que je tombe sur un truc planète avec des suites. Déjà 4000 là-dessus. Est-ce que je refais une suite ou est-ce que je tente d'avoir... On est d'accord que ça, c'est bon. Là, c'est bien. Dommage. Non, mais je voulais voir pour choper potentiel. Je sais pas si les défauts, ça me fait plus ou moins d'argent. Mais là, je pense qu'on a largement ce qu'il nous faut. Je pensais qu'on passait... Alors, on passe sans trop de soucis, mais... Avec la double paire, bien évidemment. Tu l'avais. Non, en fait, je voulais juste un deuxième 8 pour pouvoir avoir une carte planète. Je voulais juste, en fait, roll en boucle pour avoir une carte planète. Et c'est difficile de calculer exactement combien ça te fait. Ajoute le double de la valeur de la carte la plus faible en main au multi. Le double de la carte la plus faible.
Donc c'est-à-dire que j'en citais valeur 10. Putain, c'est pas mal ça quand même. Hein. Ça c'est quoi ça? Augmenter le plafond des intérêts perçus par manche de 10$. J'en suis là ou pas? Skyheart, il calculait tout en full tryhard, c'était quelque chose. Tu m'étonnes, c'est le... gagner 5$ si 3 cartes figures ou plus sont défaussées en même temps. S'il te reste un 2 en main, ça fait x4. Ouais, ce que t'as en main... T'es au max d'intérêt à 25 balles. Ah bah vas-y, je vais me prendre ça. Carte tarot, hein, 36... Intérêt en rap, c'est bien, ok. Non, je vais pas prendre pour l'instant, surtout que là, on est au début, c'est 11 000, quoi. x6, 50x6. Oh, c'est technique à calculer, hein. Ça fait 30, ça fait 81, ça fait 80, ça fait 14, ça fait 93. 93, plus 10. Mais c'est l'enfer de calculer à chaque fois. En fait, moi, je suis juste en forcing de à quel point je peux avoir potentiellement la planète. Parce que la planète va tout faire par la suite. Typiquement. Double paire, c'est beaucoup quand même. Hein. 80 x 50. Hein. Là où le full, c'est 90 x 8. Ça va être plus embrouille. Autant se la jouer safe. On va se faire un petit coup comme ça. Double paire. On se prend 3000 points. On s'est validé en plus notre truc. Et là, on peut se faire une suite en plus derrière, histoire de valider le tout avec l'as qui va nous faire monter à... Quoi, c'est 5000 ça? Plus 7000, non? Ouais, 7009. Ok. Et comme ça... Ah, j'ai chopé l'amélioration quinte flush. Utiliser. Bon, quinte flush, hein, pourquoi pas. Tu peux passer une manche contre un bonus. Il y en a des biens. Contre un bonus? Genre, tu chopes un bonus? Pardon. Alors, 80 jetons si la main jouée contient... Les 80 jetons, j'aime pas trop, moi. Tu cherches du multiplicateur du foie, quoi. On va prendre des packs, nous. Hein. Carte haute, carré, brûlant. Putain, ils forcent, hein. Ils se foutent de nous, les gars. Ils se foutent de nous, hein. Carte haute, c'est horrible. J'ai augmenté le brûlant, mais... Sans plaisir, quoi. Allez, une suite, amélioration de suite. Deux paires, brûlant, paire, full house, suite. Voilà, la suite, on l'améliore. Ok, donc comme j'ai amélioré la suite, je vais utiliser mon duplicateur qui va re-améliorer la suite. Du coup, je peux re-améliorer la suite. Ma suite est niveau 4 désormais. 120 x 10. Ok, là, on se parle, là, les gars. Là, c'est bien. Alors, grosse blinde. Où passer la blinde? Octroie un paquet méga standard. Je vais essayer de 2 à 5 cartes à jouer. Attends, je comprends pas. Ah, c'est-à-dire que tu chopes pas l'argent, mais tu chopes un bonus. C'est les 2 parmi 5. T'as 2 cartes à rajouter à ton jeu. Mais moi, à quel point j'ai envie d'avoir des cartes? Moi, j'ai pas envie d'avoir de cartes. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu joues les suites, tu cherches la probabilité. Si t'as, 4, si t'as genre 6-10, c'est chiant d'avoir 6-10. Genre 6-10, c'est chiant parce que je veux un peu d'un de chaque. Surtout avec le bonus celui-là, là. Si je jouais des trèfles, par exemple, bon bah t'es très content d'avoir un truc où tu chopes 3 trèfles, quoi. Des 8 à rajouter. C'est cool, mais les planètes, on va pas pouvoir les jouer late game, tu vois. Je pense que ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, c'est pour ça que j'essaye de le faire un peu, là. C'est au bout d'un moment, t'as ton compte, quoi. Moi, je me suis enflammé, là. Waouh. C'est mon direct, t'es malheureuse, mon bébé, hein. Je t'avoue, là, c'est... La méta suite est pas ouf. Bah, ça dépend. Avec ça, ça a l'air pas mal. Après, ça suffit pas non plus pour... Qu'est-ce que je range, là? Qu'est-ce que je range? J'ai un peu tout. Dame Valet 10. Le truc, c'est que là, j'ai le 10. Je suis un peu loin des deux.
Toi, tu joues le full. Ah non, je joue pas le full, moi. Moi, je joue les suites. Après, j'ai le full en niveau 3, mais c'est pas non plus... Merci, Femi. Parce qu'en fait, j'ai 3 trèfles, 3 piques. Je peux supprimer des cartes ou changer leur valeur. Ouais, ça, ça peut m'être bien. Mais quand tu joues les suites, c'est pas forcément idéal. Sauf si tu sais, par exemple, ok, j'ai pas du tout de 2, je t'ai de la merde, donc... bah là, ça va être du pif, hein. Pff, t'as plus envie de faire l'inverse, quand même, hein. Ouais, je tèche tout ça, je tèche tout ça. Oh, c'est moche, c'est moche. C'est moche, et encore, hein, c'est pas forcément très très moche. Faut faire 16 000 en 6 mains. On va donner ça pour l'instant. Ah mais non, je peux faire une suite là-dessus. Oh, je vais juste faire une suite. Hein. En vrai, on va pas se prendre la tête. Hein. Sinon, je chope une nouvelle planète, mais c'est un peu... On a quand même besoin de faire des points, quoi. Ah, mais je fais 10 000 en une suite, et la suite, je peux la trouver facilement. J'aurais... C'était con. C'était con. C'était con, je pense, parce que j'avais pas besoin... Je pense que je pouvais faire un tour 8 pour avoir une planète. En fait, la suite nous rapporte 8000 points, quoi. Minimum. Il faut continuer à la booster, quoi. Ou faut avoir des meilleurs. Lorsque la blinde est sélectionnée, gagne 0,5 de multiplicateur et détruisez un joker au hasard. Waouh. Créer une carte joker aléatoire. Selon la place dispo. Putain, et moi, je vais continuer les planètes, hein. Moi, je suis métaplanaire. Oh là 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 là, la suite améliorée. Après, au bout d'un moment, en fait, ça ne suffit plus. Bon, après, la suite niveau 6, je la prends. Hein. Tu vois, ça devient que x2, donc... En fait, c'est tes bonus qui vont faire la diff. Là, il faudrait un autre bonus d'amélioration de suite. Un joker, pardon. Les cartes jouées avant cette main... Mise initiale voient leur bonus disparaître. Les cartes jouées avant cette mise initiale, c'est-à-dire... FM, c'est prévu à quelle heure? Ah, faut regarder la prog, les frères. C'était là, tout l'après-midi. Trois aucun jeton et toutes les capacités sont désactivées. C'est ça que j'aurais pu faire à nouveau lancer. Je suis con. Parce qu'en fait, je stack. Après, là, je suis en bonus maximal. Donc, c'est pas mal. En termes d'opti. Il faut juste qu'on passe le boss. As-3 valet. Pas ce qu'on voulait. Hein. Ça ne marche pas dans ce sens, bien évidemment. Je vais donner double paire, mais c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Il me faut un 5 ou un 6. J'ai un 6. Pff. Non, j'ai même un 5, donc tout va bien. On peut choper une suite, avec l'as en plus. Là, il faut choper plus de multiplayer, en fait. C'est ça qui peut nous manquer, maintenant. Ouais, tu vois, il n'y a rien qui va compter. C'est... Et en même temps... Ouais, c'est strict minimum, quoi. C'est vraiment le... En termes de défausse, si je défausse tout ça, normalement, on va quand même tomber sur... Sur un As ou un 7 ou un 8, en l'occurrence. On est d'accord que ça, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Du coup, je peux aller envoyer la paire de 8. Comme je pourrais donner ça par exemple, histoire de juste donner la paire, avoir une planète. C'est le full qui est amélioré. Et ensuite, on peut finir sur ça. Ok. Ok. Coco, merci pour le prime. Bon là, donc là on chope 10 d'intérêt max dès qu'on a 50. Donc ça c'est bon ça. Ça, toutes les cartes sont considérées comme figures. Ça je comprends pas bien. Carte haute qu'on peut améliorer, voucher. Plus 1 à la taille de la main. Mais ça c'est, j'achète direct ça. Attends, deux secondes, j'arrive. Ça je prends directos. Et ça faut même pas hésiter là. Qu'est-ce que je vois? Me dites pas que je vois un boost planète. Figure égale 10 points par carte.
Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça nous... Je vais booster la double paire. Niveau supérieur, carte haute. Ça, full house, je vais le booster aussi. Nouveau lancé. Ajoute plus 2 multiplicateurs par nouveau lancé dans le magasin. J'ai 14 à la suite de base. Je pourrais cramer mes golds de fou, là. Je pourrais cramer mes golds de fou, quand même. Ça, je pourrais le vendre. Je pourrais me dire, en fait, je fais minimum 2. Et c'est illimité. En fait, je vais rester au-dessus de 50. Et je vais donc gagner 10 à chaque fois par tour. Et du coup, je peux faire 2 améliorations. Donc, 2 nouveaux lancers par tour, juste avec l'économie des plus 10 sur chaque tour. Et me faire du coup 4 de multiplayer en plus à chaque fois. Je pense que pour le light, c'est très bien. Donc, je vais vendre mon truc qui me permet d'avoir des planètes. Et je vais essayer de 2 à 5 cartes à utiliser immédiatement. Ça, je vais l'acheter. Et le plus 2, je vais le mettre au tout début. Ok. Moi, ouais, je suis à 49, là. Ah, ça me coûte 6, maintenant. Je pensais que c'était resté à 5. Plus 2, plus 2, ok. Crée une carte tarot si la main de poker contient un as et une quinte. Putain, c'est pas mal aussi, ça. Hein. Putain. Putain, c'est pas mal, ça. Parce que moi, du coup, je peux avoir du tarot en boucle, quoi. Mets le joker en dernier. Ah non, parce que c'est un plus. Le plus avant le foie. Ah, c'est plus 1 à chaque reroll. Ah, putain, ok, d'accord, le calcul était pas bon. Ça, ça peut être intéressant, quand même. En fait, si je tège un truc, c'est ça. Hein. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multiple. Tu vois, je vais jouer 3 mains. Je pense que c'est mieux. Créer une carte tarot si la main de poker contient un as. Parce que ça, concrètement, juste que je comprenne bien le truc. Non, jamais ça, tu as joué plein de suites. Partie info. Ah, j'ai joué 14 suites, ok, donc c'est ça, pardon, je comprenais pas. Ajoute le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multi. Ah, d'accord, putain. Donc là, si j'ai joué 20 suites à la fin de la game, en fait, ça me fait plus 20. Plus 20, plus 10. Quoi qu'il arrive, j'ai le plus 10 de base. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord, putain, j'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait. Ah ouais, d'où l'intérêt de se spécifier dans quelque chose, quoi. D'autant plus. On va se spécifier, on va... Ah, je suis con. Waouh. Waouh. Il y a du full, il y a du... Mais j'ai envie de me spécifier, moi. J'ai envie de me spécifier dans la suite. Ok. J'avais une quinte flush. Ouais, j'ai même pas vu. Spécialisé. En effet, c'est mieux. Est-ce que genre je farmerais pas un peu la double paire histoire 2, tu vois? Ouais, le truc c'est qu'on va. Pas si mal. Oh, le carré de 10. Crée une carte planète si cette carte est tenue à la fin de la manche. Très bien, donc c'est-à-dire qu'elle est dans ma main. Et du coup, double paire, parce que double paire, elle est niveau 5, donc je vais la booster un peu, la double paire. J'aurais pu gagner direct. Oh, je chope évolution, carte haute, c'est pas si fou. Ok, on prend 14. Joker, double toutes les probabilités.
1 sur 3 égale 2 sur 3 et tout. Ok. Plus 20 au multi, moins 4 au multi par manche jouée. Ouais. Je vais faire un nouveau lancer. Je vais vendre la truc de carte haute. Et Ah putain, je suis con. Gagne 4$ à la fin de la manche. Pas mal en vrai au début. Plus 2 jetons pour chaque carte dollar possédée. Putain, c'est fort ça. C'est fort, mais je remplace par quoi? C'est toujours la même question, quoi. Parce que là, ça rajoute du multiple, ouais, mais il te faut un minimum, quoi. Après, le truc, c'est que Joker, tu peux full chat aussi, quoi. Là, pour l'instant, je suis à plus 4. C'est de la merde, ça. C'est de la merde, ça. Ça, je vends ça. J'achète ça. J'achète ça. Et on passe. Parce que l'autre, ça me forçait... Là, je peux être en illimité, entre guillemets, mais... Gigi, il fallait trop... Faut trop scale, en fait, avec Gigi. Et le truc, c'est qu'on va manquer un peu de multiplier quand même, je pense. C'est mon avis. C'est mon avis. Bon, vas-y, on farme les suites, hein, du coup. On farme les suites. On le fait rapidos. En fait, on a besoin d'avoir des meilleurs ajouts, quand même, je pense. Parce que même ça, c'est pas ouf, hein. C'est un peu de la merde, hein. Enfin, ça m'ajoute 17, ça m'ajoute 27 de multiplayer, quand même. Quand même. Rien que ça, 100 fois 27, on est déjà content, tu vois. Rien que les deux, là. Quand même. Niveau supérieur de quinte flush. Carte spectrale, c'est quoi les cartes spectrales? Ce joker ajoute x 0,5 au multiple. Pour chaque carte vendue, mais ce multi est réinitialisé lorsque la boss blinde est vaincue. Ah, c'est peut-être pour passer un boss ou autre, ça peut être bien aussi. Putain, il y a tellement de trucs, ça, qui est bien dans ce genre de jeu. Parce que là, tu vois, je suis déjà à 132 aussi à scale. Donc, détruisez une carte aléatoire de votre main. Ajoutez deux cartes aléatoires. Ajoutez un saut bleu à une carte sélectionnée dans votre main. Truc planète. Moi, je vais mettre un as. Là, ça aura plein. Faut le garder dans la main. Or que l'as, j'ai un bonus qui le fait jouer. Ça va, vous? Eh bien, super. Eh bien, manche suivante. Le baroudeur barbu, merci. Toutes les cartes figures sont tirées face cachée. J'étège mon truc qui fait que toutes les cartes figures sont figures. Très bien. Ça, il faut l'améliorer, ça, maintenant, je pense. Ok. Oui, parce que, putain, tu peux pas savoir avant, quand même. 8, 7, 6... là, on a un trou, là. On a un trou, mais on a une belle double paire, quand même. Tu as une belle double paire à 10 000. Ah là là, quel connard je suis, le saut bleu. C'est quelque chose, hein. Bon, bah vas-y, hein, on spécifie, on spécialise, on fait tout ce que vous voulez, nous. Comme ça, c'est parfait. Ah, c'est dommage, parce que j'avoue qu'une carte planète, le brelan, on peut l'améliorer. Moins 1 à la mise initiale, moins 1 main par manche. Comment ça? On m'a dit, moi j'améliore. Je continue à booster la suite. Hein. La suite, on lui met une bonne base. Déclencher à nouveau toutes les cartes marquantes dans la main finale de la manche. Toutes les cartes marquantes. Putain, c'est vrai qu'en fait, en anglais, c'est peut-être plus sympa. Alors, tu reviens en arrière pour farm, en gros. Tu reviens en arrière pour scaler un max. C'est-à-dire, moins 1 à la mise initiale, c'est-à-dire que les blindes arrêtent de monter, quoi.
Je comprends rien au jeu, pourquoi As 2, 3, 4, 6, ça fait suite, parce que j'ai un bonus en fait qui me permet de créer des quintes avec écart. Oh, c'est propre, hein. On va le jouer, hein. Après, j'ai intérêt à pas trop non plus... Une à trois cartes tarot, ça fait longtemps, t'sais, on est là pour se faire plaisir aussi, allez, boum. Double argent, 20 au maximum. Donc ça me fait 20 de plus. Crée jusqu'à 2 cartes planètes aléatoires. Oh, je pense que là, on a plus besoin de ça. Oh, Saturne encore, j'utilise. Et Neptune, c'est quoi? Can flush, on prend, hein. Niveau supérieur, brûlant. Est-ce que ça vaut le coup de... Oh, pour 2 balles, j'ai l'impression que 2 balles au cas où, tu vois. Là, vraiment, c'est un au cas où un peu timide. Allez, manche suivante. Ah oui, donc du coup, on revient... On revient en base, quoi. Parce que nous, on les aime, les... On les aime même pas tant que ça, les couleurs. Hein. 50 x 6, quoi. On les aime, oui. On peut pas dire le contraire. Et quand on a ça à côté. Ah ouais, mais ça aurait peut-être été bien de... D'avoir une petite carte planète en plus gratos, quoi, c'est ça, hein. Est-ce que je me ferais pas... Bon, après, en vrai, normalement, on va chatter, donc... on va s'en servir juste après. Là, ça me fait une planète. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et... Merde. C'est ça que je défausse jamais, moi. On peut refaire une suite avec une nouvelle planète. FM, c'est pour quand? Vendredi, frérot. Là, on en sort, on a fait tout l'après-midi. Ouais, une paire que je peux améliorer. T'as plus les planètes avec tes W8? Non. Toutes les cartes figures deviennent des cartes or. 3$ si cette carte est en main à la fin de la manche. Gagner 1 d'intérêt supplémentaire par tranche de 5 possédée à la fin de la manche. J'ai 85 balles, hein. Deux paires. Oui. Mais je tèche quoi pour vous? Parce que ça ajoute toujours au multi quand même. Tèche photographe. Parce qu'en fait, photographe, ça fait x2. Ah, mais c'est la première carte figure, donc c'est compté au tout début ou c'est compté à la fin? Prendre ça. Bon, par contre, faut pas non plus acheter x2, mais il proc vite. En fait, il proc dès le début, il proc pas, je l'ai mis à la fin, mais il proc au moment où il y a la première figure, donc c'est pas genre on arrive à 70 de multiplayer et on fait fois... C'est compté au moment où la carte figure proc. Ouais, donc en fait, il n'y a pas l'intérêt d'être en mode... En mode, voilà quoi, hein, j'ai envie de dire. Petite double paire, là. Ça fait 12 000. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Puisque là, on a une suite. Celle-là, je vais la... Vas-y, j'utilise, mais... Ok, on balance une suite. Le jeu est easy. Ouais, c'est les jeux longs, quoi. Là, pour l'instant, on n'est pas très loin dans le jeu, quoi. Oh là là, la Saturne en plus. Après, c'est que des choix, t'as 20 000 arbres, quoi, tu vois. Donc, Mewg, merci pour les 37 mois. Ronin, Spanda, 21 mois, Naido aussi. 27 balles. Tu vois, là, on prend 20 balles, quand même, de ça.
20 balles, on double bien quand même. Hein. Ok. Bon, la couleur, ça fait longtemps, en vrai, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ajoute 1, la valeur de vente de chaque joker et chaque carte consommable à la fin de la manche. Une chance sur deux de créer une carte de tarot lors de l'ouverture de n'importe quel paquet booster. Ouais. Moi, je me remets des planètes. Hein. Bah, d'accord. Je peux en prendre deux, là. Bon, je vais me prendre une couleur. Je vais me prendre le full. Ok, manche suivante. Toutes les cartes cœur voient leur bonus disparaître. C'est ça qui est chiant quand tu joues les... Enfin, pas les suites, justement. Les As, 3, 5, 7, 9. Mais ça, c'est dingue de pouvoir faire As, 3, 5, 7, 9. C'est ouf. On fait 46 000 en un coup. On fait 46 000 en un coup. Et je reprends 29 balles. Gagner de manière permanente plus un de défausse. Ça, je vais acheter, ça. Ça, je vais acheter. Ça, on est sûr de faire notre score, quoi. On est sûr de faire une suite, là. Oh, la quinte flush, hein. Pourquoi pas, la quinte flush, hein. Et à un moment, on est là pour vibrer, aussi. Hein. 117 balles. Bon, faut qu'on écho un peu, quand même. Hein. Là, on a cramé pas mal de sous. Hein. Bon, je vais faire une double paire. Tiens, je donne le 8, comme ça, on va essayer de choper un 5 ou un 6. On a eu tout sauf ça. Du coup, je vais mettre un full. Je défausse rien. Ah, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de défausser quand même. Et bah, de toute façon, là, on s'en fout un peu. Là, c'est plus pour le kiff de qu'est-ce qu'on a besoin de scale. Même pas parce qu'on attège la carte en fait. Ah, si, quand même, ça toujours. Couleur 4. Pense à skip. C'est vrai que non, je pourrais acheter pour skip. Mais en fait, là dans ma run, j'ai trop d'intérêt de farmer les thunes avec ça, là. Je me fais 25 par... tu vois. J'aurais pu défausser... En fait, je pourrais défausser dès le début pour chercher deux suites et c'est réglé, je pense. 5 à la taille de la main, mais sinon, on m'a réduit de 1 chaque manche. Ouais, donc ça, c'est nul. Manche suivante. Tu vois, là, on fait 285 jetons. En fait, faire un gros score te rapporte rien de plus, entre guillemets. Pas ce que je voulais. On va tranquillement commencer à int, là. Non, après, c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire 50 000 d'un coup, en fait. On peut faire 50 000. Ce joker octroie plus 3 jetons par carte cœur défaussée. Couleur change à chaque manche. Je vais les désactiver, machin. M'en fous, manche suivante. Moi, je farm. Perdez 1 dollar par carte jouée. Ça va, j'ai de quoi faire. Fait un score d'au moins 70 000. Ah bah ben là, c'est... Je suis con. Ouais, bah c'est pas grave, on va payer un peu d'argent, mais honnêtement, on a de quoi faire. 61 000. Déjà avec ça, j'ai 61 000. Et ensuite, je vais finir avec une petite couleur, histoire de... Même pas, je peux... On va se refarm la suite, en fait. Hein. Ouais, c'est... On va juste train la suite pour l'améliorer au max. Hein. Comme ça... Putain, mais le jeu est addictif, c'est... Après, est-ce qu'il y a... Parce que suite, couleur, c'est hyper fort. Il y a d'autres trucs qui sont bien. Les cartes... Ah, ok. Donc là, on va avoir des meilleurs bonus, là. Ça veut dire. J'ai loupé une canne flush. Il la veut pas. J'ai loupé une canne flush, vous me dites. Étonnant, venant de moi.
Tiens, bah, le jour où on l'aura comme ça, on sera bien. Améliore une carte sélectionnée en carte pierre. Pour 2 balles, pourquoi pas. Hein. Qu'un compte comme des cartes de même couleur. Non mais ça c'est incroyable. Les cœurs et les carreaux comptent comme des cartes de même couleur. Les piques et les trèfles comme des mêmes couleurs. Ce qui fait qu'avec mon truc de suite, je peux avoir des cannes flush trop facilement. Après c'est 300... En fait c'est de la merde la canne flush. En fait la canne flush elle est moins bien pour moi que la suite. En vrai j'ai pas d'intérêt de faire une canne flush. Faut que tu l'améliores. Elle scale plus. Tu l'as moins max et moins joué. Pour vous, je dois vendre quoi? Pour moi, je vendrais le truc d'intérêt. Où j'ai déjà bien scale avec le truc, tu vois. Parce que là, c'est quand même pas mal. Ça nous fait toujours quand même x1,5 au multi et tout. Trop tard pour changer, t'es au level 8. C'est-à-dire... Moi, je pense que je vends ça. J'achète ça pour essayer de scale avec... Mais du coup, il me refaut des planètes, quoi. Oh putain, passer la blinde, ça, il faut que je check à chaque fois. C'est pas une corvée tant que ça, quand même. C'est de la grosse merde ce truc! Mais c'est une merde immonde! Oh lolo! Aïe aïe aïe! Niveau supérieur couleur. Oh, mais nous ça nous avantage pas tant que ça là. C'est bien en kicker. Ouais, mais moi je fais que des suites. Donc je suis pas là pour ça. Il faut limite que j'achète. Attends, 100 jetons. Converti jusqu'à 3 cartes sélectionnées pour les changer en trèfle. En cœur. Améliore une carte. On peut utiliser comme n'importe quelle couleur. Crée une carte joker aléatoire. Y a rien qui est bien pour moi là. Parce que j'ai plus de place pour les jokers. Trèfle, machin, je m'en fous. Peut être utilisé comme n'importe quelle couleur. Bon bah tant qu'à faire, autant utiliser elle en n'importe quelle couleur. Ça me changera rien. Plutôt que passer quoi. Ah! Double l'argent. Octroie la valeur de vente de tous les... Non? Créer la carte de tarot planète utilisée en dernier pendant cette partie. Pas virer cette merde là. Bon, sinon je peux doubler 20 balles. Ça fait 40 jetons en plus. Ouais, mais en même temps, si j'ai un truc canne flush, t'as envie de le double up. Si j'ai une canne flush, j'ai. Le fils de pute que je suis. Oh là là. Oh, il les fait toutes. Oh, je les fais toutes. Oh, je pouvais prendre 40 jetons gratos là sur le boule. Ah, je suis en... Je pensais que ça me laissait le truc et que je pouvais le réactiver pour un... Oh oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On adore. On adore. Et là, je fais aucun point avec ça, si c'est pas ton truc que tu joues. Bon, 25 000 quand même. Ça c'est vraiment le truc de merde, mais ever.
Ah oui, nouvelle propale. Et comment, ma double paire? Ah, ma double paire est sympa. Hein. Je vais mettre le lover sur l'as. Pourquoi? J'ai une suite. Là, ouais, parce que j'ai rentré le 2. Mais non, c'était pour comprendre le truc que je pouvais faire avec l'autre carte. En fait, il va falloir quand même améliorer, parce qu'au bout d'un moment, sinon, ça va s'essouffler. Ça va être ça, le... Tu vois, là, on fait 17 balles, maintenant. Oui. Bon, ça, maintenant... Est-ce que ça, ça va vraiment nous servir? Par main consécutive, jouer sans carte figure marquante. La merde. La merde. Un joker aléatoire annulé à chaque main. Oh. C'est quoi? Ok. Ok. Ah, je suis un fils de pute, pardon. Ok. J'avais pas compris que c'était celle-là. C'est pas la même de faire des suites dans ces conditions. Bah en fait, on va juste faire une couleur hein, pour débuter. Ça va être bien aussi, même si c'est pas beaucoup. Oh, tellement de double paire. Je fais 21 000, j'ai encore 4 mains à déposer. Ma double paire, elle est comment? Elle est en 120 x 7. L'autre était en x 12, hein, quand même. On veut chercher une suite, nous. Nous, on veut chercher une suite et... on veut pas grand-chose de plus. Hein. Donc je pense que si on enlève ça... C'est un 6 qui me manque. Oh, le trimar en full time. Ok. Soyez intelligent. Qu'est-ce que je te défausse? Je peux défausser ça. Là, le souci, c'est que c'est bien, mais il me faut un 5 ou un 6. Il me faut 2, 5, 6, en gros. Après, si j'ai un 5 ou un 6, le 7 rentre. En gros, ça, ça me sert pas. Ok, c'est juste le boule qui rentre pas, donc ça on s'en fout. Là, pour le coup, on est tranquille. Non, je réfléchissais s'il n'y avait pas moyen de... Mais du coup, on va la farmer un peu, malgré tout. Il faut que je joue un peu moins vite sur les trucs. Vous avez gagné. Ah, c'est fini? Meilleur score, mise initiale, carte jouée. Ah, je pensais que c'était infini, entre guillemets. C'était pour voir jusqu'où tu pouvais aller. Ah, et t'as le mode interminable. Ah ouais, ok, d'accord. C'était juste là. Augmente le plafond des intérêts perçus par manche de 20 balles. On est là, mon pote. Petite carte planète. Allez, une carte flush. Couleur un peu en déception, quoi. Mais bon, comme c'est facile de les avoir. Ça avait l'air simple. Bah, le but est de, je pense, faire le maximum de score. C'est vrai que c'était pas... Ah, c'est, oui, tout était en noir dans Can Flush. C'est bien, ça nous l'a fait scorer un peu, la Can Flush. Après, là, c'est de plus en plus dur aussi, quoi. Dans l'idée. On va
m'entraîne un peu la canne flush comme ça. J'ai une planète en plus. Tu vois, là, ça devient chaud déjà, il me reste 3 mains. Mais... à la fin de la manche. De la manche. Ah, tu voulais dire de la manche. En effet. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'on fout, nous? Parce que c'est vrai que ça ferait plaisir d'avoir la... ça fait plaisir, mais bon. Faut juste que je défausse, moi. En fait, je défausse jamais, donc... Mais là, on a déjà... Et ensuite, il nous manque... Ouais, en fait, il nous manque peu importe une carte. Donc, je pense que si on fait ça... C'est ambitieux quand même. Ça rentre. Ça rentre. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, je sais si je pouvais faire autre chose. Regarder une planète. Parce qu'on a besoin des planètes quand même. On en parle pas assez ça, mais... on a besoin de ces planètes, les gars. De flush, ça, on l'augmente un peu à chaque fois et on a augmenté la suite grâce à ça, pas mal. Ah, j'ai toujours que 20 d'intérêt max. Ah, je pensais que j'avais pu passer le cap. Looks like no. Mais c'est vrai que t'as vraiment envie de partir dans un truc en all-in, quoi. Manche suivante. Ça, ça me fait 400. Oh, c'est vraiment de la merde, ça. Utiliser. Oh, je veux qu'elle disparaisse cette carte. Cette carte. On n'en peut plus. Joue que des suites. Ouais, ouais, bah c'est l'idée. Hein. C'est l'idée, c'est l'idée. Puisque du coup, tu dois. Ouais, juste ça, parce que ça peut rentrer d'un côté ou de l'autre. Ouais. Bon, j'essaie de rentrer des cannes flush, quoi. Ça, je me dis, bon, petit à petit, on chope un peu plus de multiplayer. La canne flush devient plus intéressante. Et là, il me manque 25 000. Là, j'ai deux planètes que je vais pouvoir pop, donc c'est cool. Il y aura une suite. Ok. Ok, la suite qu'on améliore encore. Le full aussi. 26 balles, ce qui fait que ça, ça fait que monter aussi. 1, 2 joker. Utiliser. Ça, tant qu'à faire, autant l'augmenter, même si bon, ça fait pas la diff dingue. Alors, sélectionner deux cartes, la carte de gauche devient la carte de droite. Ça, c'est bien pour les couleurs et tout, mais toutes les cartes trèfle, voient leur bonus disparaître. Nous, on n'a pas spécialement... c'est pas forcément grave, quoi. Parce que du coup, on fait combien? Parce que là, ça va devenir chaud, non? En termes de... on fait 100 000 en 1, frère. On peut le faire dans l'autre sens derrière. C'est fumé, notre combo, en vrai. Et là, je vais choper deux planètes à nouveau. C'est fumé, notre truc, non? J'ai pas le... ah, bah non, je suis con, elle était barrée. Et les pics sont des trèfles, j'aurais pu rentrer. Les paquets de CS contiennent toujours la carte planète pour votre main, carte la plus jouée. Vas-y, bah on va all-in les suites, hein, du coup. Encore plus. Tant qu'à faire... le carré, on va le prendre, mais
mais c'est vrai que quand j'avais joué à Balatro au tout début sur la démo, ça laissait un peu cette impression de... T'as envie de jouer quand même suite, couleur. C'était un peu la méta, quoi. Défonce à fond pour avoir les sauts bleus. Ouais, après là, on... C'est un peu le mood là où... en mode bon. Est-ce que là on veut du neuf ou on veut du... Oh, non, pas ça. Je trouve que suite et couleur c'est bien pour débuter mais tu vas jamais loin avec. Je dois te débarrasser du premier joker, il nerf la suite du jeu. Comment ça? Après là c'est vrai qu'on va crever là quand même. Là typiquement t'as besoin de faire 560. Oula. Compliqué la vie hein. Là on est foutu là par exemple. En fait fallait avoir plus all-in dans un seul truc. Parce que là la couleur c'est de la merde. Hein. Là on a besoin de faire un truc qui explose tout. 300 x 23, 450, donc on a besoin de faire une suite, hein, juste nous. En vrai, non, c'est juste que j'avais envie d'utiliser le... de garder le bail, mais je... on va juste sécuriser le passage. Mais le tour d'après, on est mort, quoi. Parce que là, on va arriver tout pile à réussir à le faire. Gourmand. Bien gourmand tout ça. Tout ça pour avoir la petite planète là. Merci Jomanix. Bon moi je suis mort au prochain tour quoi. Là je suis ajoute par main consécutive. Jouer sans votre main de poker la plus jouée. Ah putain. C'est bien en fonction quand tu commences un truc puis que tu switches. Montre si on s'ouvre les trucs là. Est-ce qu'il n'y a pas des jokers un peu fat là qu'on pourrait récupérer? Multi par carte de tarot utilisée actuellement plus 10. Multi par commun aluminium. Multi plus 15. Après là comme j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas de carte rare et tout j'imagine, non c'est ça? Carte pierre. Je vais détruire la carte. Ouais mon cœur. J'ai même pas vu leur passer. Dépense tes sous. Bon, en fait, les sous font quand même une bonne base de jetons, même si ça fait pas énorme. Mais, Non, mais en plus, je vais devoir vous abandonner, là. Je vais juste essayer de voir... Ah, mais là, du coup, tu... quoi qu'il arrive, on fait pas assez en 4 manches, là. Là, t'es obligé de... Je suis con, en plus, c'était le... 4-5. T'as envie de faire quoi? T'as envie d'enlever ça? T'as envie d'enlever ça? Envie d'enlever ça. T'as pas envie d'enlever ça. Ah, mais là, si tu... Non, mais là, c'est mort de toute façon. Là, on die forcément, là. Là, on die forcément. Parce qu'on va pas avoir assez du tout, quoi qu'il arrive. Ouais, en fait, c'est le moment où t'as des trucs, genre les deux paires, tu vois, qu'on a monté, la couleur, le full... Faut juste commit dans un truc, quoi, idéalement. C'est pour ça que tu dois jouer le tarot. Tu dois plus jouer le tarot, tu vas booster tes cartes et remplacer le joker. Ouais, après ça, que là, on avait 300 gold, donc j'imagine que... Eh ben, je vais donner une double paire pour la peine. Et ça, ça, c'est pas rien, ça. Ça, ça fait bien plaisir. 71 000, je fais combien là-dessus? Ouais, c'est 100 000 à peu près que je vais faire. Ah, dommage. Caribou, merci pour le prime. GG.
1, 5, 3, 4, 5. Ça ne suffit pas. Oh. Donnez-nous un 6. On n'a même pas eu de 6. Ah bah non, j'ai déjà la canne flush. La canne flush est moins forte. La canne flush est moins forte. Partie terminée. Bah écoutez. Je cherche la rédemption. Non, sympa. Après. Bon, après, t'as les trucs où en fait, là, le souci, c'est que c'est un roguelite. Et du coup, les cartes Joker, Tarot, Planète, Spectral peuvent apparaître plusieurs fois. Donc là, j'imagine, en fait, en étant allé loin, tu débloques plein de trucs, tu débloques plein de styles de jeu. Après, j'avoue que moi, je suis un peu teubé, j'aime bien avoir des objectifs. Et du coup, le fait que la campagne, entre guillemets, avant l'arrivée du mode interminable, c'est genre... En fait, le mode interminable fait que, bah, du coup, tu te joues contre toi-même. Mais avoir l'histoire qui pourrait peut-être durer un tout petit peu plus longtemps, ça aurait été sympa, tu sais, pour juste se donner envie d'essayer un peu tous les decks et avoir une raison d'essayer tous les decks, au-delà de juste le jeu est très cool et... maximiser les intérêts perçus. Bien joué quand même. Option. Il y a la difficulté aussi. Parce que du coup, nous, on a joué en difficulté quoi. Du coup, là, il nous manque 5 cartes, un Joker. Ah oui, il y a tout ça qui n'a pas été découvert, quoi. Les objectifs, c'est les modes de difficulté. Parce que du coup, comment tu choisis après les modes de difficulté? Ah, c'est ça, ok, d'accord. Une petite blinde n'octroie pas de récompense en argent. D'accord, ok, d'accord, c'est ça le truc. Ok, d'accord, oui, non, c'est juste qu'en fait, le truc d'objectif, c'était juste la toute base et ensuite, tu débloques d'autres trucs. Non, mais très cool. J'y rejouerai sûrement, honnêtement. C'est le genre de jeu très chill où tu joues, tu lances et c'est bien comme jeu. C'est hyper chill. En fait, c'est hyper chill. C'est un peu prise de tête, mais tu dois faire des trucs. Je suis curieux, je regarderai aussi un peu les streams d'MV parce que j'ai vu qu'il s'est buté. Voir à quel point c'est diversifié et tu te retrouves pas à peu près tout le temps à jouer la même chose ou quasiment la même chose, tu vois. Ça, j'avoue que je suis un peu curieux parce que les quelques games que j'ai fait, après, j'ai fait que des suites, que des couleurs et tout. Mais à quel point tu peux avoir une méta genre double paire, en fait, qui est trop stylée et qui, tu vois, qui peut aller loin. Ça, j'avoue que je sais pas trop. La MIF, rien que terminé, c'est dur avec certains decks. Ouais, tu m'étonnes. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain soir. Il était complètement dans OMV, j'ai vu qu'il était à fond. J'offre ça comme cadeau à ma meuf, merci du conseil. Bah écoute, avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve demain soir pour une soirée gaming avec Gigi.